Coucou. On part sur une recette à base de pois chiches. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vous reprends pour un weekly vlog. Ce matin, on est mardi, on n'est pas du tout lundi. On est de retour sur Toulouse, chez nous. Je vous ai pas pris hier parce que c'est une première journée après être revenue d'Arcachon et je vous avoue que j'avais pas du tout envie de prendre la caméra. J'avais d'autres chats à fouetter, on va dire, entre le boulot, la salle, tout ça. Donc ce matin, je vous reprends avec moi. J'ai quand même fait le bilan d'hier matin, donc je vous mettrai là. Au niveau du poids, hier matin, on était à 59,7. Et ce matin, je suis à 59,6. Voilà. Le retour sur Toulouse s'est bien passé. Et la prépa se passe bien. Plan pour cette semaine. En 4 semaines de temps, on a testé plein de trucs. Et du coup, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Par rapport à la prépa, à l'alimentation, au sport. Pas beaucoup, mais surtout à l'alimentation. Et donc du coup, je vous en parlerai un peu plus tard. Une dinguerie, la persillade dans les œufs le matin. Une dinguerie. Voilà. Ce qui est prévu pour aujourd'hui, je vais travailler ce matin toute la matinée. Cet après-midi, j'ai une séance jambes à faire. Ce soir, j'aurai du taf encore. Bref, c'est une semaine qui se résume à travailler, uniquement travailler. Voilà. Il n'y aura pas grand chose de plus. Si demain après-midi, je vais travailler, je vais voir une coaching dans sa salle. Mais je ne vous prendrai pas avec moi, naturellement. Au petit déjeuner ce matin, j'avais des flocons d'avoine. Normalement, je me fais un porridge avec de la whey et du chocolat dedans. Avec les œufs et les galettes de riz. Sauf que là, j'ai envie de m'enlever les galettes de riz parce que j'ai pas faim à midi. Donc j'ai envie d'avoir un peu faim à midi. Et avec le flocon d'avoine, du coup, au lieu de me faire un porridge, je me suis fait un pancake. Voilà, j'ai juste rajouté un œuf dedans, donc ça me fait un peu plus de... Enfin, ça me fait pas un peu plus de protéines, mais aussi ça fait un peu plus de protéines ce matin. Avec les deux œufs que je vais rajouter dessus, et j'ai mixé du coup la whey crème... C'est quoi la whey bulk là? J'ai testé la whey berries and cream de chez Bulk. Elle est trop bonne, on dirait un yop. Donc du coup, je l'ai mixé avec de l'eau et un abricot, parce qu'il était en train de crever. Donc voilà, je sais, j'ai pas encore goûté, on va voir. Je pense pas que ça va être dégueu. Je vais me chercher un carré de chocolat et on sera bon pour le petit déjeuner de ce matin. Bon, je fais une petite pause dans le boulot pour vous parler un petit peu. J'ai fait une boîte à questions, comme je fais souvent sur les weekly vlogs là, sur Insta, pour savoir si vous avez des questions sur la prépa, si vous avez des choses à dire ou quoi que ce soit, ou à me demander que vous voulez que je parle dans la vidéo YouTube. Et j'ai reçu quelques questions, notamment sur les difficultés actuellement dans la prépa. C'est ma deuxième année consécutive de vraie prépa. Je dis vraie prépa parce que 2020, je suis montée sur scène, mais pour moi, c'était pas une vraie prépa. On va dire que c'était un gros test, mais je faisais ça dans le vent, entre guillemets, sans réel... Enfin, voilà, j'ai fait ça comme ça. Et actuellement, j'ai pas de difficulté à suivre la diète, à m'entraîner ou quoi que ce soit. Je ressens aucune difficulté. Je vais pas vous mentir, hein, je souffre pas. Alors d'un côté, ça me fait un peu chier parce que j'aime bien un peu être dans le mal. Mais peut-être que j'ai eu des journées où j'ai souffert. Mais globalement, non, ça se passe très 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 bien. Je souffre pas de faim. Enfin,
En plus, là, comme on est un peu en avance en termes de physique, de poids, de sèche, du coup, je mets un peu les hauts là. Donc, je ralentis un petit peu le rythme sur cette semaine-là. J'ai même pas de difficulté à maintenir mes charges parce que mes charges sont toujours à peu près les mêmes. Aller peut-être à 10 ou 20 kilos près sur certains exercices, mais globalement, j'ai toujours les mêmes charges. Au niveau des repas, je suis à. Alors, comme je fais beaucoup de tests, au niveau des repas, ça peut varier beaucoup de semaine en semaine. 1700 calories. J'ai du 1006, 1005, 1003, 1002, 1250 plutôt. Voilà, je varie quand même beaucoup au niveau de la diète, donc je suis jamais trop constante. Enfin, avec tous les tests qu'on fait, je cherche. Voilà, je cherche encore beaucoup. Ouais, non, je souffre pas de la diète, même s'il y a des journées un peu plus bas, ça me. Bah là, aujourd'hui, je devrais être à 2600, mais je souffre pas du tout. Hier, j'étais à combien? 1359 calories exactement et j'avais pas du tout faim. Enfin, j'ai juste eu faim pendant ma séance un peu, mais ce qui est normal. Et voilà, c'est tout. Donc franchement, au niveau de la diète, je souffre pas. J'ai zéro envie de manger quoi que ce soit d'autre que ce que je mange actuellement. J'ai eu 3 jours sur le mois où on était à Arcachon. J'ai eu 3 jours off où j'ai vraiment galéré. Mais ça va faire partie des changements enfin des tests qu'on a fait avec Simon. Et donc, je vous avais parlé dans un précédent vlog qu'en fait, je voulais plus manger le matin, je voulais faire pardon, le jeûne intermittent. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plus du tout fait pour moi, en tout cas aujourd'hui, actuellement, à l'instant T, parce que mon corps, il a trop besoin dès le matin et il demande trop dès le matin. Donc, je peux pas ne pas déjeuner le matin. Et j'ai essayé de ne pas manger de glucides le matin pour voir, garder les protes, les lipides, mais pas de glucides. Et ça ne va pas non plus. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que si je ne mange pas de glucides le matin, mais t'es sûr que toute la journée, je suis un légume en fait. Ça m'a jamais fait ça parce que moi j'aime bien ne pas manger le matin. J'aime bien manger léger le matin pour me dire que j'ai vraiment très faim à midi. Mettre le maximum de carbs autour de l'entraînement, donc à midi et en poste. Mais là, je peux pas. Je suis un peu niquée. La seule difficulté, c'est de se dire, faut que je sois mieux que l'année dernière. Et ça, psychologiquement, ça fout une pression. Mais je ne pourrais pas dire que c'est une difficulté. Ça fait partie du jeu quand tu es compétiteur, que ce soit en body ou ailleurs. Hein, tu as toujours envie de faire mieux par rapport à la saison précédente, ce qui est normal. Sinon, tu n'es pas un compétiteur dans l'âme. Du coup, bah, c'est juste ça, la difficulté. Je sais pas. On est à 8 weeks out et je suis bien. Je suis très très bien. Rien à voir avec l'année dernière. À rien à voir. Et donc du coup, on m'a demandé c'est quoi les tests que tu as fait durant le mois à Arcachon. J'ai fait plein de petits tests sur mon corps, comment il allait réagir. Et dans un premier temps, on a arrêté le cardio dès qu'on est arrivé à Arcachon. Parce que on avait, bah, pour ceux qui n'ont pas suivi sur le vlog précédent, on était à Arcachon pour faire des travaux. Et pendant les 2 premières semaines, on n'a pas arrêté en fait de bouger de 8h jusqu'à 21h le soir. Donc on s'est dit le cardio, on va le mettre de côté parce qu'en question de timing, on n'aura pas le temps. Donc au final, le poids a chuté énormément parce qu'on creusait beaucoup dans la machine, parce qu'on bougeait toute la journée, à porter des trucs, à déménager, à repeindre, à aller tel magasin, à acheter tel truc, à porter tel machin. Donc au final, la dépense là énergétique était au top du top, on va dire. Au final, le poids, donc je suis désolée, je prends les données sous les yeux. Le poids a continué à chuter, mais avec des petites remontées de temps en temps en fait. Et l'essentiel, c'est qu'en fait, on ait grosso merdo une bonne chute globale. Dans l'ensemble et que ça ne remonte pas trop haut. Ça remonte de 200-300 grammes des fois, mais à chaque fois ça va plutôt vers la baisse. Et au niveau de l'alimentation, du coup, moi j'ai essayé de garder mes lipides le plus haut possible, de pas trop 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 les toucher. Je voulais en fait vraiment taper dans les carbs plus vite avant de toucher les lipides. Et au final, le fait d'avoir touché les carbs, ça m'a un peu éteinte. Et c'est là les 3 jours compliqués, enfin compliqués, durs physiquement, que j'ai pas mangé de carbs le matin et que j'étais à 50 grammes de carbs. Je vous avais dit sur mon ancien vlog là,
Je vous avais dit, il me semble que dans ma semaine où je vous ai filmé à Arcachon, j'étais à 50 grammes de carbs en jour off et 80 grammes en jour on. Et au final, c'est bien trop bas. Même si le poids a fini par chuter et j'ai atteint mon poids le plus bas à ce moment-là, après une grosse journée off où j'étais épuisée, marcher, c'était un supplice, tu vois. Donc j'étais contente, mais en fait j'avais souffert extrêmement toute la journée et on était à 10 weeks out, ou 11, je sais plus à ce moment-là. Donc c'était ridicule de faire ça maintenant. Donc au final, Simon il m'a dit on va faire une recharge et je suis montée à 200 grammes de glucides sur les 2 jours. Et en 2 jours de recharge, j'ai pris 200 grammes. Donc j'étais contente, ça va. Alors j'étais un peu deg parce que j'aurais voulu que le poids stabilise, mais mon corps avait besoin de se re-remplir un petit peu. Et en fait, sur le reste, sur mon jour off et sur mon retour de semaine le lundi-mardi, je suis restée haute en glucides pour en fait redonner de l'énergie à mon corps pour qu'il refonctionne et qu'il se re-remplisse parce que j'étais bien fatiguée le mercredi du jour off là. Et au final, il a compris enfin qu'il fallait se remplir et que les muscles fallait qu'ils pètent. Et c'est là où j'ai atteint quand même une condition, une dureté, une vascularisation musculaire que j'avais jamais trop eue ou partiellement eue, on va dire. Et donc du coup, j'étais très contente. Voilà. J'ai des veines qui arrivent un peu partout sur le corps, donc ça c'est très bon signe. Au final, on s'est dit, ouais, quand même, la fin d'Arcachon, je suis restée quand même assez haute en glucides. Je voulais pas trop baisser trop bas, j'étais aux alentours. Je suis jamais trop fixe en termes de glucides, je suis jamais stricte, super stricte, mais j'étais aux alentours de 140-150 grammes de glucides en jour on et 100-120 en jour off. Ouais, c'est ça. Après, les lipides, je les ai un petit peu descendus. En fait, ça varie ce que je vais manger. Pour cette semaine, j'aimerais perdre du 100 à 200 grammes par jour. Et l'idée, en gros, là, j'aimerais, donc au niveau de la diète, qu'on teste. Donc les prods, ça bouge pas, c'est toujours pareil. Les lipides, je les ai un petit peu diminués. Je suis entre 30 et 40 grammes de lipides par jour. Donc ça, c'est bon, je peux les virer maintenant. J'ai eu mon cycle menstruel la semaine dernière. Enfin, il y a tout qui est bon au niveau hormonal. Donc, j'ai pas envie de garder plus haut les lipides, étant donné que le corps est bon. Voilà. Donc, du coup, les glucides, là, je teste entre 100 et 110 grammes de glucides par jour. Et en fait, on fait une monodiète. Donc, aujourd'hui, je suis un jour off et je mange ça, en termes de quantité, en termes de macro. Demain, je suis un jour off, mais je vais manger exactement la même chose. Je reprends pas le cardio. J'ai envie de tester aussi de ne pas reprendre le cardio, voir ce que ça donne, si le poids il continue à chuter. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le fait de manger du plus de glucides, bah, ça me fait aller aux toilettes parce que dès que tu es à 50 grammes de glucides et 80 grammes de glucides en jour on, tu vas beaucoup moins aux toilettes. Alors ça, c'est la partie intime, mais j'en ai rien à faire parce que ça fait partie de la vie. Je pense qu'on va tous aux chiottes. Voilà, à un moment donné, dans la prépa, tu es un peu constipé, tu ne veux plus trop aux toilettes, tu peux avoir un peu le ventre gonflé à cause de ça alors que tu es censé moins manger, donc tu es censé maigrir. Mais le poids ne chute pas parce que tu vas juste plus aux toilettes et ça, c'est normal. Donc voilà pour la petite info sur les tests qu'on a fait à Arcachon. Salut à tous, ce matin on est mercredi et j'ai préparé mon petit déjeuner avec les mêmes ingrédients qu'hier, j'ai juste fait des recettes différentes. J'ai un porridge un peu trop d'eau, je suis un peu dégueu, c'est pas grave, je vais le laisser refroidir. Avec 30 g de whey, un carré de chocolat noir et un jaune d'œuf. Le petit truc blanc, c'est un jaune d'œuf à l'envers, qui n'est pas trop cuit. Voilà. Et ici, avec les 2 œufs que je me suis fait, du coup, j'ai gardé le jaune d'œuf pour le porridge et j'ai fait des œufs brouillés et j'ai mangé une pêche. Voilà. Au niveau du poids, j'ai perdu 100 g encore comme hier, donc c'est cool. Très bien, moi ça me va si on perd 100 g tous les jours. À voir parce que Simon il m'a dit qu'il aurait aimé que je perde 200 g par jour là. Donc je ne sais pas si on va faire des modifs. Au programme du jour, ce matin, j'ai les bilans. Il n'y en a toujours aucun. Il est 8h30 et j'ai encore reçu aucun bilan. Trop bizarre. Et des compétitrices essentiellement.
Voilà, on va travailler toute la matinée. Et cet après-midi à 16h30, j'ai une séance avec une coaching en salle. Voilà, il va falloir que je m'organise. Je vais pas beaucoup filmer cet après-midi, mais je vous reprendrai ce soir pour une recette. Ça, c'est certain. Voilà. Je disais, la séance est à 16h30. La séance est à 16h30, donc du coup, ça va être un peu décalé au niveau des repas. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Je me suis préparée. Du coup, dedans, là, c'est un pot de confiture. Je me suis mis du skyr, de la whey et des framboises de surgelées. En termes de quantité, pour les curieux, j'ai 100... 150 grammes de skyr, 15 grammes... Enfin, 15-20 grammes de whey et des framboises surgelées au pif. Voilà. Et c'est tout. En post-workout. J'ai mon shaker. Il est dans mon sac de sport. On est bon. Et puis voilà, je pars un peu tôt parce que faut que je passe dans un magasin. Et surtout, j'ai la route. Donc, j'y go. Bon, ça y est, je suis revenue du coaching. Il est 8h du soir. Je vais vous montrer la petite recette de crêpes. Pancake. Ok, je vous ai posé, on va faire la recette. On part sur une recette à base de pois chiches. Très simple. Tu viens prendre 100 g de pois chiches. Ensuite, tu viens mettre un œuf entier et deux jaunes. Pas du tout, deux blancs d'œufs. Les jaunes. Tu rajoutes un petit peu de levure. Tu en mets au hasard peut-être 5 grammes. 5 grammes, ouais, c'est pas mal. Et après, tu viens rajouter 20 grammes de fromage blanc. Donc ça fait 2 cuillères. Et là, on est bon. Au préalable, elle chauffe tranquillement. Hop. Moi, je mets ça dans mon petit mixeur à tout faire là. Je regarde un peu ce que ça donne parce que faut que ça soit assez liquide, pas trop pâteux. Et là, on est pas mal du tout. Dedans, je rajoute la persillade. Je crois que j'aurais mis plein de persillade dans ce vlog-là. De l'ail, faut bien doser. Faut pas hésiter à doser sur les épices. Ça change tout, les épices. Je vais rajouter du sel aussi. Hop là. Une fois que ça, c'est prêt. Tu verses ça dans ta poêle. Alors, faut pas que ça soit trop chaud la poêle. Et tu vois, ça te fait une pâte en fait, clairement. Je rajoute. Tu as ta base, tu laisses couvert et tu laisses cuire à feu moyen. Et en attendant, on va préparer la petite sauce qui ira avec. Et donc, pour la petite sauce que tu vas mettre en topping par-dessus, tu prends ta petite purée de tomates. Ça, c'est game changer, clairement. Ajouter de la moutarde à l'ancienne dedans. Vais rajouter, je vais mettre de l'oignon. Bon, je vais mettre du thym. Tant pis. Mais si vous faites ça, mettez du basilic dedans, c'est mieux. Et je vais rajouter un petit liquide flavor, l'arôme émental, pour faire un peu l'aspect piquant. Et voilà, ma petite sauce, elle est prête. Ça sent trop bon. Ok, alors. Sur la petite préparation, il faut quand même faire gaffe parce que c'est fragile et faut y aller mollo quand tu fais tes manips. Du coup, je vais rajouter ma petite sauce que je viens de faire. Je vais rajouter des oignons. Rajouter des cornichons. Je vais me rajouter ma petite tomate. Je vais mettre un peu de capre aussi dedans. 80 g de poulet toast. Donc lui, il est déjà cuit, hein. Je l'ai déjà cuit tout à l'heure. Hop là. Et je vais laisser cuire un petit moment. Hop. Donc voilà pour la petite crêpe. Donc pour vous dire un petit peu sur les macros et ce qu'il y a dedans. Donc en termes de préparation, pour la crêpe, pancake, pizza, appelle ça comme tu veux, on a 100 g de pois chiches,
20 g de fromage blanc, 2 blancs d'œufs, un œuf entier, de la levure que je ne compte pas, ça ne compte rien du tout, avec des aromates. Et en plus, par-dessus, on a de la tomate, de la purée de tomate, 80 g de poulet, ça je compte. Et ce que je vais pas compter, c'est les trucs en plus, genre le cornichon, les câpres et l'oignon rouge, qui ne vaut pour rien du tout, donc je m'amuse pas à peser ce genre de choses. Ça sert strictement à rien, même en prépa. Donc là, pour le coup, on est sur un repas à 353 calories, 40 grammes, 44 grammes de protéines, 10 grammes de lipides et 20 grammes de glucides. Voilà. Et ça va être dans le bide. En prépa, moi j'aime bien, enfin je ne mange pas beaucoup de glucides le soir parce que j'en ai besoin dans la journée. Et donc le soir j'en ai clairement pas besoin, mis à part juste des envies de manger parce que j'ai faim. Mais ça se régule. Mais en soi mon corps n'a pas besoin de manger le soir de tant de glucides que ça. Donc du coup, je n'ai pas souvent beaucoup de glucides le soir pendant mes périodes de prépa. Et donc du coup l'idée c'est vraiment de jouer sur un gros volume alimentaire. Ce soir, c'est une espèce de pizza qu'on se fait, mais j'ai très bien pu me faire des énormes salades à base de tomates, concombres, feta et pastèques, par exemple, avec de la salade verte. Voilà, c'est vraiment du poulet, bien évidemment, ou de la viande rouge, ou du saumon, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment, on va chercher, sur les repas du soir, je vais chercher à avoir des repas vraiment très volumineux. Et puis cool à cuisiner, parce que généralement le soir, on a un peu plus de temps pour cuisiner, on prend un peu plus le temps aussi. Donc voilà, j'espère que si vous la refaites, vous allez kiffer. Faites bien attention à la poêle. Il faut vraiment qu'elle soit bien huilée, ou du moins, il faut que ça soit une bonne poêle. Parce que si t'as la poêle c'est quoi, en inox là, teste pas, change de poêle. Mais voilà, faut vraiment cuire à feu doux pour pas que ça crêpe trop. Voilà. En tout cas, je vais vous montrer ça dès que ça sera prêt. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un petit peu de salade. Ici, nous en avions une avec. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Donc par rapport à toi, il y a 40 grammes de flocons d'avoine en plus et 2 jaunes d'œufs, parce que tu avais 2 jaunes d'œufs qui traînaient, parce que tu as mis du blanc, donc je les ai pris en même temps et c'est tout. Après, c'est la même Mais c'est. posologie. Ok, Non, après d'accord. j'ai pas mal l'arôme, j'ai mis l'arôme emmental et tout dedans. Alors, je sais pas si on va le sentir, mais et après, j'ai fait la même chose que toi Ok. là, la même chose avec des câpres à l'intérieur, tout Ouais, ça, t'as rajouté toi les câbles directement dans la sauce. cornichons, tomates, et normalement, ça devrait le faire, hein. Ok. Ça devrait le faire. Et après, t'as le cœur aussi. Et le cœur. Mais ça, le cœur, tu vas le faire cuire à côté. Ouais. Oh, il n'y a pas la place. Ça marche. Salut, c'est jeudi, il est 17h. Je vous ai pas du tout pris aujourd'hui. J'ai travaillé toute la matinée. Et clairement, franchement, j'avais pas très envie de filmer. Il n'y avait pas grand-chose de bien ouf à raconter. Et je suis allée à la salle. Je vais manger mon post-workout. Il est comme hier. C'était une brave séance. J'ai trop kiffé ma séance. Ça fait vraiment du bien de revenir à la salle, de revenir dans un milieu que tu connais, que tu maîtrises, tu sais, tu connais l'environnement, tu connais les gens. Surtout, tu connais les machines, tu connais les charges et tout. Et je suis vraiment trop contente d'être retournée, enfin de revenir au CFC et tout. Déjà, juste parce qu'on voit tous les copains. Et ça, c'est trop bien. Et sinon, j'ai fait une très très bonne séance. Et j'ai versé ma petite larme. Simon pourra en témoigner. Enfin, il n'était pas là, mais je lui ai envoyé en fait. J'ai fait une vidéo d'un plan que je fais toujours pendant cette séance-là, depuis mon off. Et j'ai regardé par rapport à mai, juste mai, mi-mai, je crois que c'était le 16 mai, la différence, je vais vous mettre les photos là. Et j'ai versé une petite larme parce que je suis vraiment trop contente de mon physique, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'étais ravie de voir cette évolution-là sur le physique. Je suis vraiment très contente. Alors pourquoi je suis très contente? Parce qu'en fait, j'arrive à garder tous mes galbes musculaires. Et je vois vraiment qu'au niveau des épaules, ça a bougé vraiment beaucoup. Malgré la perte de poids aussi, parce qu'entre ces deux photos, il y a 5 kilos de différence. Et malgré la perte de poids, bah, j'arrive quand même à avoir ce galbe-là musculaire. Donc il faut que je le garde le plus longtemps possible et il faut que j'aie le même sur scène. Et ça va être toute la délicatesse de la prépa. Voilà, faut être vraiment, faut faire vraiment très attention à ça, à pas trop s'aplatir et voilà, enfin s'aplatir au bon moment et se remplir au bon moment. C'est surtout ça. Voilà. En tout cas, c'était une très bonne séance et c'est tout ce que je voulais dire pour ça. Bon, sinon, au niveau physique, au niveau du poids, tout ça, ce matin, j'ai pris 400 grammes par rapport à hier.
Donc je suis à 59,9. Enfin, j'étais à 59,9 ce matin. Dégoûtée, mais je pense qu'il y a une grosse, grosse partie. Déjà, c'était un jour off et c'était un peu prévu que je prenne du poids par rapport à la diète, la monodiète. Et surtout, je pense qu'il y a une grosse partie de rétention d'eau parce que j'ai augmenté mon apport hydrique considérablement. Je sais pas combien de litres je suis, hein, je ne calcule pas, mais je sens que je bois beaucoup plus. Donc voilà, c'est un problème ça quand il y a les grosses chaleurs. Je ne Je sais sais pas pas si si vous vous aimez aimez l'été, l'été, vous. vous. Qui Qui c'est c'est qui qui aime aime l'été, l'été, sérieux? sérieux? Enfin, Enfin, j'ai j'ai horreur horreur de de l'été. l'été. J'ai J'ai horreur horreur de de ces ces énormes énormes chaleurs-là. chaleurs-là. Dehors, Dehors, il il fait fait 40 40 degrés degrés dans dans l'appart. l'appart. Je Je sais sais pas pas comment comment il il fait. fait. Je râle, je déteste l'été. Je déteste ça. Comment vous faites pour aimer l'été, les gars? Mais bref, sinon, au niveau du coup de la prépa, donc le poids, voilà, il est remonté ce matin. On va voir demain. Et on fera des tests demain. Là, déjà, on a fait un premier test aujourd'hui. De pas manger les pommes de terre, mais de manger du riz avec un peu de galette de riz à midi, dans l'équivalence des glucides, toujours avoir le même taux glucidique, mais changer l'apport glucidique. Et donc on verra demain le poids. Et si demain le poids il n'a pas tant chuté que ça, je vais passer deux repas en liquide et voir ce que ça donnera sur samedi matin. Malheureusement, vous n'aurez pas le retour samedi matin, ça va rester en suspense pour vous, mais au moins, moi j'aurai j'aurai de quoi finir mes tests. Par rapport au physique, sinon, je vois qu'avec la chaleur, j'ai des veines sur le ventre et tout. Mais ça, c'est juste parce qu'il fait super chaud dehors. Mais c'est cool. Sinon, les séances se passent bien, tout va bien, je me sens bien. Imhotep. Je vais manger ma petite collation et je vais finir de mourir de chaud. Hello. Salut. On est le dernier jour de la semaine et ce matin, il fait pas beau. Non, en vrai, c'est couvert, mais il a plu dans la nuit, ça a fait tellement du bien. Ce matin, j'ai perdu 300 grammes par rapport à hier, donc je suis plutôt contente. Parce que du coup, les 400 grammes que j'ai pris hier, c'était essentiellement de la rétention d'eau à cause de la chaleur. Du coup, je continue le plan. Je vais tester deux repas en liquide et deux repas en solide pour voir si au niveau digestion, ça fait quelque chose ou pas. Et au niveau du poids aussi, ça fait quelque chose ou pas. Donc là, du coup, j'ai un peu changé mon petit déj pour que ça fasse un truc cool à boire. Une banane entière. J'ai mis 20 grammes de flocons d'avoine. J'ai mis 30 grammes de whey. Je vais mettre un petit peu d'eau. Ouais, c'est un smoothie, quoi. Classique. J'ai des bilans. Donc ça va être boulot. Et cet après-midi, j'ai séance ischio-fessier. Voilà mon dernier repas liquide que je vais prendre. Enfin, vous n'êtes pas au courant, je viens de sortir de la salle, il est 17h bientôt. Et ce midi, du coup, j'ai fait la petite adaptation de diète. Ce matin, j'ai mangé le repas en liquide, du coup, et j'avais grave la dalle à 11h. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, du coup, je viens de me faire mon post en liquide. Donc, c'est le même qu'hier avec du fromage blanc, de la whey, des framboises cette fois-ci. J'ai mis un petit peu d'eau et ça me donne un énorme smoothie. Je vais arrêter le vlog ici parce qu'il n'y a plus rien à raconter. Mais une bonne nouvelle, c'est que j'avais faim ce matin, que j'ai eu faim pendant ma séance. Donc la faim revient, donc ça c'est cool. Donc est-ce que le game changer, ça serait de boire deux repas sur quatre au lieu de les manger? Je ne sais pas, mais c'est à creuser sur les prochains jours. On va essayer ça en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour dans un nouveau vlog. Ça sera au mois d'août, donc ça sera toute autre chose. J'aurai une gueule un peu différente et des biceps encore plus tracés. Bisous! Oh, et j'allais oublier, n'hésitez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et partager la vidéo. Ça me fera plaisir. Ça m'apportera beaucoup de soutien pour cette prépa, pour ces dernières semaines. Parce qu'après, c'est tout chaud sur les compètes. Ça sera parti pour les vlogs de compètes. J'ai trop hâte. Bisous!